Bien bonjour, c'est parti pour le ZCL de ce mardi 6 juin. On va recevoir dans un instant l'autrice, la dame qui a écrit ce bouquin. Elle s'appelle Babette de Rosière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va recevoir un peu plus tard Evelyne Adhémar pour sa chronique ABC des entreprises. Élie Chitalo aussi sera notre invitée. Barbara Montpierre et Gilles Casimir, deux coachs, seront à la fin de ce ZCL. Sinon, l'actualité, c'est Imane, c'est parti. Oui, bonjour à tous et bienvenue sur le retour à l'actu. Nous allons parler aujourd'hui de la réaction du maire du Gosier concernant l'annulation du plan local d'urbanisme ainsi que de The Box dans le cadre de la semaine numérique qui continue, qui a organisé une semaine de hacking. Nous parlerons aussi de l'ADI qui organise des portes ouvertes du 5 au 9 juin ainsi que de la RSMA autour des contrats liés à cet organisme. Merci Imane, qu'on va retrouver tout à l'heure pour le premier sujet en direct de Paris, puisqu'on va recevoir le sujet sur l'accueil des gens de nos territoires dans le 12e. Alors, je voulais dire, on reçoit Babette de Rosière, les cuisinières, mais les chefs cuisinières même depuis très longtemps, 45 ans semble-t-il. Elle a écrit déjà plein de bouquins sur la cuisine guadeloupéenne, la cuisine antillaise. Elle a essayé de faire en sorte que les Français, mais pas seulement les Français, les gens de tous les pays découvrent notre cuisine, puisqu'elle est en quelque sorte une ambassadrice de la cuisine guadeloupéenne. Et ça, c'est tant mieux. Elle a créé le Sagastrom, le salon guadeloupéen. Non. Salon de la gastronomie guadeloupéen. Alors, Babette, merci. On parlera du bouquin tout à l'heure. Mmh. Alors, ce salon, 9e édition. 9e édition. Va enfin se faire. Va enfin se faire. Et puis, beaucoup de combats pour faire ce salon. Ça n'a pas été simple. Hein. Mmh. Pourquoi j'ai fait ce salon? Parce que je traînais derrière moi un dossier qui était important pour moi à l'époque et toujours important maintenant, qui consistait à la préservation et à la promotion de la cuisine des Outre-mer. Et ce dossier-là, j'ai eu à le présenter plusieurs fois à tous ces ministres de l'Outre-mer qui sont passés au ministère de l'Outre-mer, y compris mes compatriotes qui ont été ministres aussi à l'Outre-mer. Personne n'a donné de suite à ce dossier. Vous n'étiez pas chez eux? Pas du fâché avec personne, mais le dossier n'a pas été intéressé. Mais ils ont tout passé, ils n'ont pas occupé de dossier dans sa mémoire. Je crois que je suis un peu tenace, c'est ça qui fait ma force. Et je me suis dit, je vais présenter ce dossier-là à d'autres ministres, parce que les Outre-mer, ça ne marche pas. Je vais essayer de le présenter au ministre des Petites Industries. À l'époque, c'était Pinel. Oui. Je vais la voir et je lui dis, voilà, je travaillais déjà avec elle sur d'autres choses au niveau de Rungis. Et puis, elle me dit qu'elle s'occupe. Et un an après, dossier-là pour Jean voit le jour. Alors, un jour, j'ai eu l'idée de faire venir des journalistes. J'ai dit, je vais faire venir des journalistes, tous les journalistes de l'Hexagone, pour leur expliquer pourquoi ce dossier ne voit pas le jour, de m'expliquer pourquoi. Et c'est là que Mme Pinel me fait appeler par son directeur de cabinet pour me dire qu'elle me donne la Légion d'honneur. Alors là, je ne peux même pas t'expliquer, parce que ça, me dire qu'on me donne la Légion d'honneur, alors que moi, je veux qu'on s'occupe d'un dossier qui intéresse les Outre-mer, je te laisse supposer la suite, mais en tout cas, j'ai refusé la Légion d'honneur. Ça a du compris. Ah, on a refusé ça. Ouais. Il n'y a pas qu'à acheter moi en rosette, quand même. Rosette, c'est moi qui ai coupé en tranches, moi, j'ai eu. Donc, voilà. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai eu l'idée de monter mon salon de la gastronomie. Je me suis dit, je ne suis pas quelqu'un qui organise des salons. Je n'avais jamais fait ça. Je me suis renseignée à gauche, à droite, et je me suis dit, Babette, quand il monte le salon, on va remettre les Outre-mer à Paris. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter mon salon. La première édition en 2015, j'ai eu même pas 15 000 visiteurs. C'était où ça? C'était à Porte... comment ça s'appelle? La Villette. Oui. Et donc, j'ai dit, voilà, 15 000 visiteurs, c'est déjà pas mal. J'ai eu 60 exposants, c'est déjà pas mal. Et je me suis dit, je vais continuer. Et jusqu'ici, je continue. Et pourtant, on a essuyé des plâtres. Hein. Ouais. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves, il y a eu le Covid, il y a toute espèce de choses. Ouais. Mais j'ai tenu bon parce que je me suis dit, il faut que ce salon existe. Et maintenant, nous sommes à la 9e édition. Quand on vous compte, 9e édition, et mettons le salon, voilà, c'est l'un des plus beaux salons de la Porte de Versailles. Ça se fait quand? Se fait le 26, 27, 28 janvier 2024, et il y aura tout ce qui se boit, tout ce qui se mange, tout ce qui se fait de mieux, justement, en Outre-mer. Et vous savez, nous avons beaucoup de petits artisans
ici en Outre-mer, qui méritent d'être connus. D'ailleurs, je profite pour remercier deux personnes que j'ai rencontrées récemment. Monsieur Harry Chalus, qui depuis la première édition est à nos côtés. J'ai rencontré Monsieur Céleste, je profite pour lui dire bon, un petit merci. Ainsi que Monsieur Vial Collet, ce sont des gens qui ont pris l'engagement d'être à mes côtés pour ce salon. Et je profite pour leur adresser mes remerciements parce que ça me fait du bien de savoir que j'ai mes compatriotes qui sont aux commandes et qui sont à mes côtés. Juste un petit mot dans ce salon de la gastronomie de notre territoire. Est-ce que la cuisine guadeloupéenne sera présente, mais sous quelle forme? Attends, la cuisine guadeloupéenne est présente depuis que je suis oui, à Paris. Oui, mais sous quelle forme? Mais sous toutes les formes. De toute façon, il y aura des restaurateurs, des transformateurs, des chefs. Mais est-ce que vous-même, vous croyez cuite manger jour? Ah, cuite manger tous les jours, midi et soir, à un restaurant, moi. D'accord. Ah oui, c'est mon métier, c'est mon ADN. J'ai choisi ce métier-là volontairement. C'est pas un métier choisi comme ça à la légère. C'est ma grand-mère qui m'a donné le goût de la cuisine. On trouvait ça bon. Ouais. Donc, quand je suis arrivée à Paris, naturellement, en partie qu'on a des affaires en dive, tous ces fromages-là, ça. Donc, je me suis dit, je vais cuisiner pour moi. Alors, question. Les gens, les Français, qui apprécient la cuisine. Ils apprécient ma cuisine. Ah, ça, ils apprécient ma cuisine parce que ma cuisine est authentique. En pas mon café chichi, mais c'est une belle présentation. Oui. Je fais que la cuisine du cru. La cuisine que nous savons faire, mais travailler différemment. Un cabayon, un petit... Mais les produits guadeloupéens. J'ai tous les produits. On a tous ces produits-là. Ah, quoi, tout ça, même Pima, mon amour Jacques, on a tout ça qu'il faut. D'accord. Quand on vient à la case de Babette, c'est à la case de Babette, je suis dans les Yvelines, mais quand on vient à la case de Babette, quand on dirait où en Guadeloupe, on y paillote. On fait ça quand on nous en pays-là. Ouais. Un grand jardin, et quand tu es dans le jardin, ou en Guadeloupe, avec musiciens au moins qui a joué bon musique. Ah non, zouk tout bitin. D'accord. Ah oui. Bon, alors, nous qu'on des petits mois si livre là ça. Sur le livre, alors je l'ai lu. Alors, mon premier souci, enfin, premier argument quand je lis ce bouquin, c'est que c'est un vrai bouquin qui décrit tous les dessous de la politique française. Alors là, vraiment, je dis, j'ai dit ça, il y a un confrère guadeloupéen d'un autre média, il faut lire là ça, parce que si on veut bien comprendre la politique française, et tous les méandres, toutes les magouilles, tous les dessous, les imbattables. Tout bite à l'imbattable, là, en sortie, imbattable, mettez en les tables. Alors, Babette, il y a une question pour poser quand même. Ouais. En lisant le bouquin, j'ai vu que, c'est vrai que l'histoire avec Pécresse, ça s'est mal terminé. Ah ben, c'est de sa faute, hein, parce mais que... Mais il n'y a pas un peu d'amertume, quand même, de regret. Non. J'ai cru comprendre qu'à la fin, vous disiez, ouais, quand même. Non. Écoute, on est au-dessus de ça. Écoute, Pécresse, elle est venue me chercher en 2015, en tas d'un restaurant, moi, pas moi, des gaillers, pas des connaître lui. Ouais. Premier monde qui dit, pas les mots de Pécresse, c'est Patrick Caram qui a crié moi tout le temps pour dire, moi, il faut moi venir en politique. Il y a Madame Noël, c'est Pécresse, qui a adoré moi, il faut venir, etc. Il a bien fait son rôle de rabatteur, parce que ça lui va bien. D'accord. Et puis Pécresse est venu me chercher chez moi. T'es à casa moi, pas moi, des Pécresse. Il vient à casa moi, chez moi. Mais non, mais on t'a déjà mis en porte à l'époque, Chirac était jamais en mais bien sûr, Chirac m'a donné ma carte depuis très jeune. Oui. Ma ligne droite est toujours là. Je n'ai pas changé mon fusil d'épaule. Alors, quand je dis même si j'ai des amis dans des autres parties. Alors justement, quand je lis le bouquin, je me rends compte que vous êtes aussi bien avec Pécresse qu'avec Hidalgo. Mais Hidalgo, c'est mon Hidalgo, elle est de gauche. Mais je m'en fous qu'elle soit de gauche. Oui. Moi, les partis, ça ne rentre pas en ligne de compte quand on est amis. La cuisine n'a ni droite, ni gauche. Mais non, la cuisine, c'est universel. Pas ni gauche, ni droite, ni religion, ni rien. Et moi, je suis pareil. Oui. Hidalgo, c'est mon ami de toujours. On connaît Hidalgo, il partait même ça bonjour si tu es rentré en politique. D'accord. Donc, on ne parle pas de politique, on se respecte, on s'adore, et c'est mon ami. Et tant qu'elle aura besoin de moi, je serai à ses côtés. Alors, j'ai vu aussi que pour les JO, probablement, il y aura oui, de... Oui, il travaille avec mon homme, bien sûr. Alors, c'est la gastronomie. Alors, la gastronomie. Oui, j'ai bien compris. Alors, on revient un petit peu sur le bouquin. Alors, l'épisode de Pécresse, Pécresse. Bon, fin barbitien, là, bon, moi, bien, parce qu'en bas, une débutante, on va comprendre. Non, quand il barbit bien, 2015, elle est venue me voir. Ce que j'ai aimé chez Valérie Pécresse, c'est quelqu'un de tenace. C'est quelqu'un qui, quand elle te parle, te met en confiance. Tu vois, tu as envie de l'écouter. Mais ça a duré quand même pas mal de mois avant de me décider. Parce que mon mari ne voulait pas que je rentre en politique. Le mari, c'est Claude. Claude Butin. Et il ne voulait pas que je rentre en politique. Et moi, je me dis, j'ai ce dossier-là, la préservation et promotion de la cuisine. Peut-être que ça peut me faire un pan et une légitimité pour rentrer en politique et défendre ce dossier. Oui. Et donc, c'est pour ça, quelques temps après, elle a trimé quand même. Puis que je n'ai pas dit oui tout de suite. Hein. Ça a duré plus d'un an. On fait y attendre. On fait y attendre. Ben oui, cahier. On croit venir chez moi, en train de qui
du doigt, c'est pas bête, non. D'autant que j'avais deux émissions. Pas mais non, pas, même si enfin, pas vorace. Ah, d'accord. Donc, claquer de doigt, non. Donc, j'ai attendu longtemps, et puis après, un jour, je me suis décidé en me disant, pourquoi pas. Parce que ça me permettra d'avoir un pied dans la politique pour défendre l'intérêt général et ça me permettra surtout aussi de défendre les Outre-mer. Mais j'ai bien compris que votre mari n'était pas d'accord. Hein. Ah, Marie et moi, pas d'accord, mais il n'avait même pas le temps de parler de ça. Oui. Il a fallu aussi que je fasse un gros travail auprès de mon mari pour lui dire, écoute, il y a ce dossier des Outre-mer, aucun ministre des Outre-mer n'a jamais osé jeter un œil dessus. C'est un moyen pour moi d'être légitime pour défendre à la fois ce dossier et les Outre-mer. Oui. À force, parler. C'est pour ça que ça a duré longtemps. C'est... Plus d'un an. Oui, ça a duré avant de donner ma réponse à Valérie Pécresse. Et finalement, alors aujourd'hui, 5 ans, 6 ans après, est-ce qu'il y a des regrets? Je ne regrette rien du tout. D'ailleurs, quand je suis rentrée, elle m'avait fait plein de promesses. Oui, qu'elle n'a pas tenues. C'est quelqu'un qui ne tient pas ses promesses du tout. C'est quelqu'un qui n'aime qu'elle, Valérie. Il faut le savoir. Maintenant, je sais. C'est quelqu'un qui n'aime qu'elle. Quand tu vois qu'elle est gentille, souriante, avec sa petite tête penchée, c'est parce qu'elle est bisou en bitain. Elle a besoin de quelque chose. Tant qu'elle n'a pas eu la chose, elle est très gentille avec toi. Parce qu'elle sait d'ailleurs qu'il y a des voix. Pourquoi elle est venue me chercher? Parce qu'il y a Babette qui est populaire, elle avait deux émissions, tout le monde la connaît, tout le monde l'adore. Et elle sait qu'il y a des voix derrière. C'est ça. Et d'ailleurs, je veux pour preuve, toute la campagne en 2015 s'est faite autour de Babette. Photos ont monté tout partout, même les broches, on est trop du fichier, tout partout. Elle était toujours avec moi. Pourquoi admettre qu'elle s'est vie avec moi? Mais maintenant, évidemment, mais moi aussi, j'avais mes idées arrêtées. Je me suis dit, il casse sa vie avec moi, mais moi, occupez-moi de papa, moi. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et c'est pour ça que quand je suis rentrée, pas moi, vice-président, je n'avais rien à faire de ça. Je me suis mise à travailler pour créer déjà un parcours de la gastronomie en Ile-de-France que j'ai créé. D'ailleurs, le premier site, c'est l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, où il y aura, entends bien ce que je vais te dire, la première école de cuisine créole dispensée dans le monde. Il a ouvert là, à la rentrée, là, à l'automne. Mais bien sûr, je suis en train de former des chefs, justement, à la cuisine créole, pour que dès que l'école ouvre, tout le monde qui a paniqué. Ben nous avons appris à faire cuisine créole. Ouais. C'est Mouna qui est dans l'hexagone là. Il y a venu ici faire concours, il y a dit c'est Mouna fait fraisier. On ne peut pas faire un fraisier quand on est guadoupéen. Il faut nous faire un mangotier alors, ou un manguier. Tu comprends? Donc c'est pour ça que j'ai tenu absolument à faire ces 6 sites en Ile-de-France, dont l'hôtel de la Marine, où il y a l'école du Cordon Bleu qui ouvre. Et dans cette école, on va dispenser des cours de cuisine créole. Alors, je pose une vous question. Comprenez sans dur? Oui, on comprend. On va poser une question politique. Alors, où tu avais ma bête de droite. Il a gay ou on l'a gay. Qui vous t'avez fait Babette? Pas fait Babette, t'avais Pécresse ou la gay. Oui. Quand on a revenu d'Algo, est-ce qu'on a fait un carré? Non. Après, tu fais tout de suite. Oui. À part quand il a revenu d'Algo. Oui. Moi, Veille Hidalgo, depuis Poto, même savent si tu es en forme politique. Oui, mais on veut dire, est-ce qu'elle conduit Attends, répondre. Oui, parce qu'elle est socialiste. Moi, je suis LR. Elle a été au présidentiel. Je l'ai soutenue parce que c'est mon amie. Moi, j'ai une idée noble de l'amitié. D'accord. L'amitié, pour moi, c'est vraiment plus que l'amour. Moi, j'étais pas encartée. J'étais pas, j'étais pas active au LR. D'accord. Quand elle est venue me demander si je peux l'aider, j'ai dit oui, c'est mon ami. D'accord. Quel que soit l'ami que j'ai qui me demande, même si c'est le plus grand bandit du monde, à Calais. D'accord. Et Hidalgo, c'est mon ami. Mais même si elle me demande maintenant de faire autre chose, je le ferai parce que c'est mon ami. Alors, Calais, voilà. Alors aujourd'hui. Alors, pas dit qu'un jour de là, non, ouais. Non, c'est un but de depuis très longtemps. Alors, maintenant, là, au Conseil régional d'Île-de-France. Oui. Là où il y a exactement. Eh bien, je suis là, sans étiquette. Sans étiquette, pour l'instant, parce que j'ai envie de bien... Je veux avoir un œil appuyé sur la politique. Maintenant, je suis libre. Comme ça, je pourrais encore libre davantage... Libre sur la partie de PQS. Ah, pas changer ça, papa, j'ai adhéré à ça. Libre. Quand il vient crier, moi, je viens en libre, on dit, nada, on ne va pas rentrer dans ces bêtises. Ça, c'est quoi, libre? C'est quoi? C'est quoi? Il t'a envie de faire qu'on Macron, parce que Macron fait En Marche, il t'a mis à faire libre, mais c'est un flop. Et tu sais, libre, je vais te dire, quand elle a fait la première réunion de libre, c'est Patrick Caram qui, comme union fonds de commerce, qui est association ultramarine, qui a ses vieilles veilles, qui a ses vies, qui s'est conseillé, qui a dit, il y a tout en main en moi, qui a fait ça en vrai veille, c'est ça. Et effectivement, il y a tout qui a venu. Donc, il mène à d'habiter à libre, c'est comme ça que tu as un long monde, tu as un chinois, tu as toute qualité race qui a venu. Adhabiter avec Patrick, adhabiter à Libre. Mais si tu regardes bien, mais Libre n'a aucune légitimité. Libre, c'est une coquille vide, ça n'a aucune légitimité. Comment expliquer que
aux présidentielles françaises que Pécresse fait moins de 3%. Bon, douce, écoute-moi bien. Oui. Moi, je connais bien Pécresse. J'étais très proche de Pécresse. Je connais son caractère. Je connais la personnalité qu'elle est. Moi, tu sais, on te dit quand tu aimes quelqu'un, tu le prends avec ses défauts et ses qualités. Quand j'ai vu comment ça s'annonçait les présidentielles, je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas laisser. Il peut permettre l'idée d'y moins. Parce que quand il dit qu'elle était en primaire, j'ai vu Valérie, j'ai dit, n'y va pas, tu vas t'abîmer. T'es pas encore prête. Il voyait me promener, il disait, oui, t'es contre moi, tu verras, parce qu'il dit patata. On laissait madame la parler, aïe. Après, je lui ai dit, il faut que tu aies un programme pour les Outre-mer. Il dit, mais les Outre-mer, pas à compter, pas à porter de voix. À partir du moment où il était dit, moi, les Outre-mer, pas à compter, pas à porter de voix. J'ai dit, non. Alors là, c'est terminé. Et là, je vais profiter pour raconter les coulisses. Ouais. Parce qu'il faut que les gens qui votent savent que. Pour aller voter, il faut avoir déjà une légitimité, mais il faut savoir pour qui on va voter. Tu ne peux pas aller mettre un bulletin comme ça dans l'urne quand tu vois du vernis. Ces gens-là, ils se cachent derrière leur petit doigt, la respectabilité. Y a pas... Non, mais quand tu grattes un peu, tu cherches un peu. Non, c'est des gens qui ne pensent qu'à leur siège, qu'à leur ronde serviette et qu'à leur gueule. C'est tout. C'est ça qu'ils ont mis en avant. Il n'y a qu'à passer brosse à relier, il n'y a qu'à crier, il n'y a qu'à faire réunion. Moi, je voyais Valérie en train de faire des réunions avec les Outre-mer. Quand je dis, mon Dieu, si les Outre-mer savaient comment ils sont considérés, si les Outre-mer savaient ce que Karam dit, là, il y avait les Outre-mer, il a dit, il Guadeloupéen. Là, il y avait Libanais, il a dit, il Libanais. C'est vrai, moi, je dis, mon Dieu, mes pauvres compatriotes, s'ils savaient ce qui se passe dans les coulisses, jamais ils auraient fait ça, jamais. Alors, page 178 de l'ouvrage, Patrick Karam, le Michel Mourin de Valérie. Ah, ben, c'est ça. Alors expliquez-nous ça. Quand on a Michel Morin à Paris. Michel Morin, c'est enfin un terme qu'on prononce ici. Oui, bien sûr. Tout le monde sait ce que c'est que Michel Morin. Vous avez tous compris. En France aussi, quand on dit Michel Morin, mais il y a le monde qui a été connu. Mais chez Michel Morin, si vous ne passez pas au serpillon, quand passez au serpillon là, si vous avez nettoyé les toilettes là, vous avez nettoyé les toilettes là, si vous avez fait course, c'est ça Michel Morin. C'est vraiment le Michel Morin de Valérie, parce que c'est la broyeur de Valérie. Quand nous sommes dans l'hémicycle, Valérie Karam, pas laisser rien passer, lui qui a transporté comme une petite sainte, mais quand vous voyez Karam, là on a gossé Valérie, c'est Karam qui a répondu. Waouh! Mais nous, on ne va pas comprendre, parce que c'est vous. Au moment, Pécresse, c'est quand vous voyez Karam aller, c'est vous sauver. Mais c'est moi qui sauve Karam, parce que attends, bon. Qui me dit on sauve? Attends, bon, raconte tout ça. L'épisode-là, c'est un épisode qui gratine. Karam, quand il vient ici, il mettait qu'à faire gros nom avec le préfet là. Il a roulé mécanique, il a critiqué le préfet, il a juste dit qu'il foutait le préfet des rôles, là, et on sait. Mais t'as qui doit Karam qui a parlé comme ça? Qui pouvoir une pour parler comme ça? Finalement, à force, il fait tout cochonnerie là. Valérie Pécresse l'a gay. Valérie Pécresse dit, pas rentrer dans la polémique à Karam. C'est comme ça que Karam démissionnait. Mais attends, qui belle l'emballe là-bas. Quand Karam démissionnait, moi... Il était déjà au Criforme. Ben, au Criforme, pas qu'on est là-bas, jamais n'a jamais dans ça. Quand Karam démissionnait, il était obligé de démissionner, parce que Valérie est obligée de démissionner. Quand il démissionnait, montait à Cuba. En cas de voir téléphone de magasiné, Karam qui a crié, oui, femme la sang, en quel pété tu vois, femme la sang. Il embauché frère moi, pour comprendre, dire en quel bas frère moi, les associations, eh bien, qu'est-ce que vous voyez, moi, il paye des aïens, en quel pété tu vois, femme la sang. Karam. Ouais. Quand on voit ça, il dit ça de Pécresse. Il dit moins ça, moins. À vous, il dit ça. Moins, il dit ça. Quand il dit moins ça, en criant Pécresse, il a dit Pécresse, fais attention à Karam, parce qu'il va vivre très mal. Bitenassa, le fait qu'il n'est pas vice-président encore, il va vivre très mal. On dit qu'il faut arranger ça, il faut lui donner sa présidence. Parce que normalement, il travaille bien dans son truc, c'est vrai. Il s'occupe de sport, il fait bien ce qu'il fait au sport. Il a validé, qu'est-ce que ça peut te coûter? Si tu ne fais pas ça, tu auras des problèmes avec Karam, je le connais. Hein. Lui, tu vas avoir des problèmes avec lui, parce qu'il m'a menacé. Il m'a déjà dit qu'il ne va pas garder ça comme ça. Et c'est comme ça on joue dans la salle, l'hémicycle, pas l'hémicycle, mais la salle qui est à côté de l'hémicycle. Valérie a fait une réunion, et joue là ça, il rebat... Karam, vice-président, ça arrive. On peut dire ça, mais j'ai oublié ça. Hein. J'ai oublié ça. C'est des mondes qui perdent. Bon, ben, Frida, quand moi, le 8 mars, en prenant l'antenne, moi, je dis qu'à quitter Valérie Pécresse parce que campagne, elle sent que ni tête. Ou sauf, c'est Karam qui criait pour gérer moi. Hein. C'est Karam qui ramassait comme ça. Valérie, pas j'en téléphoné moi. Ouais. Mais c'est Karam qui ramassait comme ça, qui a insulté moi avec, à la télévision.
mais en bas, on est à Piesseil. Parce que Karam, lui, son Michel Morin, mais c'est aussi en Makanda. C'est en Bouka font l'eau-concan. Son homme qui a fait l'eau-concan, il a fait passer pour ça hier. Même quand Valérie mettait le corps en présidentiel, il a battu tout le monde. De toute façon, nous j'ai à l'Élysée. Il a quand même constitué équipe pour être ministre de l'Outre-mer. Ouais. Tellement il était sûr d'habiter là. Il y a un bidenté en remarqué un livre là. Là, on fait première campagne là, Valérie Pécresse. Ouais. Il était proposé d'être vice-président. Voilà, mais pas je m'en fous. Écoute, en pas rentrer en politique, on est en titre. Parce que si on t'est mis en titre, on t'en tenu. Mais pour nous en titre, il faut faire Miguel, il ne faut pas en parler. Ouais. Et moi, c'est mon, on ne peut pas rester comme ça. Moi, je dis, j'ai envie d'avoir la liberté de parole, la liberté de dire ce que j'ai envie de dire, et surtout quand les choses ne vont pas. Ouais. Qui est venu, moi, politiquement, quand il est là? Eh bien, moi, pour l'instant, je fais une émission de radio qui marche très bien. Et quoi, on prend la télé? Et en plus, mais le ministre de l'Outre-mer m'a demandé de reprendre la télé. Je reprendrai la télé, puisque c'est mon métier. Babette de Rougier, on dit un petit bitin qui est simple. Ouais. Est-ce que, au-delà, on fait tout bilan vivant, certains qui ont servi la Guadeloupe? Ah, bien sûr, mais toute vie en moi. Vous savez, quand on rentrait la première fois à la télévision, on montrait un citron vert. Ouais. Ils ont dit, moi, c'est un citron qui n'est pas mis. Est-ce que vous savez ça? Non, pas tout ça. Moi, je te dis, j'ai essuyé les plaques, j'étais l'avant-gardiste des émissions. On me disait, pas d'épices, ne parle pas si, ne fais pas. On dit, de quoi on va y parler? Je suis antillaise, la France, c'est pas. Les Antilles, c'est pas la France? Alors, pas des pommes qui empêchent moi de parler d'eux. Et j'ai tout le temps, toutes mes émissions, tout ce que j'ai fait, c'est pour valoriser justement cette cuisine que j'adore beaucoup et mes compatriotes. Et tant que mes yeux, tu vois mes yeux là, tant que les yeux m'ont été ouverts, en quête d'oubout, moi, je peux défendre les Outre-mer. En PDC, a rien passé. Tu as vu Valérie, il venait ici dans vite fait, et faire un petit pipi vite fait et repartir pendant la campagne électorale parce que justement. J'avais commencé à l'allumer pour dire, bah, même aller en Outre-mer. Pour faire voyager en Outre-mer, il a vu qu'après un avion, on a qu'à poser, il a fait ses pipillages et puis il a reparti pour le même avion. Là. Oui. C'est ce foutre, c'est un mépris. C'est un mépris total pour l'Outre-mer. Elle n'aime pas les Outre-mer. Elle fait semblant d'aimer les Outre-mer. Mais elle n'aime pas les Outre-mer. Et moi, je le dis haut et fort, c'est le monde qui peut aimer les Outre-mer, pas aimer moins. Babette, une dernière question. Oui. Vous payez oui. Ah, dis-moi. Qui j'ai envie de voir, Nicole? Ah, bien. Ah ben tu vois, j'ai bien coin là. Ah très très bien. Bon, d'accord. Eh ben là, écrivez-moi quand il voit bientôt Nicole, mais c'est la petite sœur Nicole, c'était ma dernière petite sœur. Ouais. Ah non, ça, on est très très bien. D'ailleurs, je tiens pas du temps, voyons, revoyons un beau bail. Bon, alors résumons-nous. Donc là, ça, il est sorti en France déjà. Il est sorti déjà en France, ça fait un carton, il a signé 600 livres à la Foire de Paris. 600 livres. Et tout le monde a crié moi pour acheter livre là. Ah ben oui, c'est un livre qui mérite. Et d'ailleurs, Henri Guénaud, avec qui j'ai fait une émission la semaine dernière, dis-moi comme ça et dis ça à l'antenne sur RC Radio. Que ce livre-là, tous les hommes politiques mériteraient de le lire, parce que ce que Babette dit, c'est un peu la réalité. Merci Babette d'être venue. Alors le salon, c'est le 26, 27, 28 janvier 2024. Nous qu'on ouvre avant le 26 janvier. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, à la porte de Versailles. Et j'attends mes confrères, mes collègues, les exposants, voilà. Et le site, c'est www.sagazdom.fr. Merci de m'avoir reçu. Pas de problème. Ah 12h54, on a le temps de développer un titre, Yann? Oui. On a le temps? Non? Ben, on prend la première pause et puis on se retrouve tout à l'heure pour nos prochains invités. À tout de suite. Ça démarre. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du ZCL News et c'est le moment du retour à l'info avec à l'actu avec Iman. C'est parti tout de suite. Retour à l'actu. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un reportage d'Outre-mer News de Maurice Cessé qui parle des associations qui accueillent les personnes en transfert sanitaire. Il leur propose un soutien et un accompagnement. On voit ce reportage tout de suite. Depuis 2 ans, les Antilles, à travers l'association Le Bon Accueil de la Martinique et le conseil départemental de la Réunion, viennent en aide aux personnes originaires des régions d'outre-mer en transfert sanitaire dans l'Hexagone. À l'occasion de la fête des mères, un déjeuner avait été organisé dans 2 structures d'accueil, la Croisée dans le 12e arrondissement et le Rosier Rouge à Vanves. Ces personnes disposent, il faut le souligner, d'une chambre et d'une cuisine commune. Le rôle de l'association Le Bon Accueil est de donner à ces patients s'éloigner de leur région des moments de convivialité en organisant des sorties, des séances de maquillage ou encore ce déjeuner créole. Cette association a pris naissance après avoir rencontré une famille de La Réunion à l'hôpital Paul Bousse où la maman était dans le coma et une jeune fille venait de Grenoble et qu'elle n'avait pas de lieu d'hébergement. Et j'ai dû héberger cette jeune fille
Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes dans la même difficulté. Donc, nous avons créé cette association par rapport à cela. Alors, ces personnes qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique, du Méditerranée, des Outre-mer, elles sont logées comment, avec toute leur autonomie? Comment ça se passe concrètement? Alors, la majorité sont hébergées dans des foyers d'accueil, d'hébergement comme la Croisée, les Rosiers Rouges, etc. Mais il y a aussi des hôtels qui travaillent aussi au même titre. Ces personnes sont déjà là-bas et bien souvent, c'est la caisse de sécurité sociale ou encore les hôpitaux des autres commères qui les envoient directement en métropole avec les rendez-vous, etc. Mais il y en a d'autres qui arrivent avec par leurs propres moyens parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des rendez-vous sur les dom-dom. Voilà. Alors vous êtes là aussi pour créer des moments de détente parfois pour ces personnes? C'est exact. En fait, on essaie de créer le lien, de ne pas les permettre l'isolement, mais au contraire, la cohésion, de créer une cohésion de manière à ce que chaque personne puisse se sentir pas trop loin de la maison, que nous soyons loin. Donc, notre association, elle intervient au niveau des repas. Par exemple, une fois par mois, on organise un repas dans l'un des foyers, le dimanche, et on participe. C'est un repas participatif, même les malades ramènent quelque chose. Et puis, on mange ensemble, on passe un moment. Des fois, il y a de la musique. Certains mènent la musique. Ils parlent du pays, ils parlent des choses qui les embêtent aussi. C'est-à-dire qu'on est, je vous ai vu arriver, vous avez été étonné de voir une telle structure. Oui, c'est vrai. Et puis, je vois que la Réunion est bien structurée. Nous, la Guadeloupe, il y a encore des choses à faire. Donc, c'est pour ça que, dès ce matin, j'ai mis en contact M. Ludger, responsable sanitaire et social de la CARL, Mme Carmine Jean-Louis pour les subventions et M. Beaubois, DGA de la CARL, pour qu'on puisse faire une convention avec l'association Bon Accueil pour permettre aux Guadeloupéens de notre territoire de pouvoir bénéficier de ce genre de structure et d'accompagnement, parce que nous-mêmes, on est touchés personnellement et qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse répondre à cette attente et il ne faut pas qu'on oublie nos frères guadeloupéens lorsqu'ils partent en métropole pour des raisons de santé. Voilà, il est déjà 13h05, c'est l'heure de la chronique ABC des entreprises avec Emeline qui est de nouveau avec nous. Bonjour. Bonjour Dani, bonjour les téléspectateurs. Pourquoi ce sourire, Emeline? C'est que tu as de bonnes nouvelles à nous annoncer? Toujours. Lorsque j'arrive pour cette chronique, c'est toujours avec plaisir. Et quand on reçoit la même chose, c'est parti pour le générique et on revient vers toi. Attention, dans 3 jours, il va être trop tard. Eh oui. Trop tard, pourquoi? Trop tard pour déclarer ses impôts de l'année 2022. D'accord. Oui. Ben oui, puisqu'en fait, le jeudi 8 va sonner la fin des déclarations. C'est jeudi ou vendredi? Non, c'est jeudi. C'est jeudi. À minuit, c'est la date limite pour pouvoir déclarer l'ensemble de ses impôts sur revenus. Et donc, effectivement, c'est un sujet habituel pour nous, mais qui est toujours intéressant de reprendre pour pouvoir rappeler à l'ensemble de nos contribuables qui regardent la télé aujourd'hui qu'il faut, effectivement, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, faire le pensum annuel. Il faut récupérer le document sur le site. Tout à fait. C'est-à-dire que jusqu'en fin mai 2000... Alors, c'est vrai que ça fait des années qu'on nous promet la disparition de la déclaration papier, mais elle est encore possible, hein, notamment pour les primo-accédants, jusqu'au mois de mai dernier. Donc, là, maintenant, c'est plus possible de déclarer en version papier. Et il faut effectivement impérativement se connecter en ligne. Et effectivement, il y a quelques petites nouveautés qu'il ne faut pas rater, en fait. Alors, question, c'est une nouveauté parce que les gens... Alors, juste une précision pour les gens qui n'ont pas encore compris... la déclaration se fait même si on disait que les impôts prenaient directement, etc. Oui, tout à fait. La déclaration reste un geste obligatoire. Il convient effectivement, même si elle est déjà pré-remplie en ligne, de valider les informations qui sont déjà pré-renseignées. Très souvent, il n'y a pas de modification à faire, notamment... Il n'y a pas d'erreur. Ils ne peuvent pas faire des erreurs. Il est très, très rare que les impôts puissent se tromper, notamment sur toute la partie liée au salaire. Mais il faut toujours vérifier parce qu'en général... la remontée des rémunérations et du revenu fiscal est transmise directement par les employeurs au travers de la DSN, donc la déclaration sociale nominative. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais au cas où, chaque contribuable est invité à vérifier la bien déclaration, vérifier ce tout que... à fait.
Et effectivement, en termes d'erreurs, quand même, par rapport à mon expérience personnelle, il arrive parfois que les revenus déclarés pour les professionnels libéraux ne soient pas nécessairement référencés dans la bonne case, notamment s'ils sont encore adhérents à un centre de gestion agréé. Donc, vérifiez aussi que la déclaration est faite sur le bon créneau. Alors, pour tout ce qui est des nouveautés, quand même, il est à noter que, toujours dans la dynamique d'améliorer le pouvoir d'achat de nos contribuables, qu'il y a la possibilité pour les personnes qui perçoivent des pourboires, donc notamment on entend tout ce qui est serveur principalement, donc c'est toutes les professions qui perçoivent le pourboire en 2022-2023. Donc ces pourboires, en fait, sont exonérés d'impôts, ce qui est non négligeable. Mais comment on fait pour... Non, mais je ne comprends pas. Mm-hmm. Quand on fait un pourboire, c'est quelque chose en général... Manuel. Oui. Oui, mais théoriquement, même si c'est un don manuel, ça, c'est le fruit et la recette de tes travaux, donc théoriquement, c'est censé être déclaré. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Alors maintenant, le bon côté, c'est que si nos contribuables oubliaient de déclarer, ils peuvent déclarer sereinement en sachant qu'effectivement il y aura quand même une exonération d'impôts, d'accord, du coup, et ainsi que des contributions sociales, en sachant que cette exonération est valable pour les personnes qui n'excèdent pas 1,6 SMIC. Donc il faut, d'accord, prendre le SMIC multiplié par 1,6. Et les heures supplémentaires. Alors, les heures supplémentaires, bonne nouvelle, il y a eu un rehaussement des plafonds des heures supplémentaires exonérées, donc qui, l'année dernière, en fait, ils pouvaient faire. Un salarié pouvait faire jusqu'à 5 000 euros d'heures supplémentaires exonérées. Mmh. Désormais, en 2023, c'est jusqu'à 7 500 euros. L'objectif, évidemment, c'est d'encourager le travail supplémentaire si nécessaire, sans être taxé à la fin. Donc, le salarié ne subit pas une double peine, à la fois que de travailler et de percevoir une rémunération, ce qui est aussi non négligeable. Et qu'est-ce qu'on appelle la PPV ? La prime de partage de valeur, c'est la prime qui est sortie et qui a remplacé la prime Macron il y a de ça 2 ans, et qui est aussi une prime qui a été octroyée pour pouvoir favoriser toujours le pouvoir d'achat avec tout ce qu'on a subi actuellement comme augmentation d'essence, augmentation des frais de toutes sortes. Donc la prime de partage de valeur peut être délivrée par les entreprises aux salariés sous certaines conditions qui sont déterminées en interne, en fonction de certains critères, et en sachant que cette prime, elle est encore exonérée jusqu'au 31 décembre 2023, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile. Donc là aussi, c'est des mesures d'encouragement pour les employeurs, pour récompenser leurs salariés, mais comme je dis, il faut toujours vérifier l'éligibilité aux différentes conditions. Il y a des nouveautés sur la taxe d'habitation. Et oui, ben voilà, enfin une bonne nouvelle peut-être, Dani. Oui, quand même. Que je te parle au moins une, menu, au moins une, oui. Toujours très renfrogné, c'est pas ta chronique préférée, mais il faut savoir quand même que en 2023, il y a une disparition. Iman s'amuse. Bon. Il y a une disparition totale de la taxe d'habitation 2023, mis à part pour les logements vacants et les résidences secondaires. Alors, très important, justement, c'est la nouveauté de cette année. Les contribuables qui sont propriétaires de maisons, que ce soit de résidences dans lesquelles ils habitent ou des résidences qui sont louées, doivent penser, avant le 30 juin, à faire leur déclaration de biens immobiliers. Et d'accord, c'est une déclaration d'occupation. Donc, l'objectif, évidemment, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir tracer les biens immobiliers qui sont vacants ou qui ne le sont pas. Et évidemment, si on oublie de le renseigner, ben, on a un risque, effectivement, de recevoir quand même une petite taxe d'habitation, bien qu'en fait le bien soit loué, et que ce ne soit pas correctement affecté. Donc, c'est vrai que il vaut mieux le faire le plus rapidement possible, en sachant qu'effectivement, c'est une obligation et qui a été mise à disposition des contribuables depuis le 18 janvier 2023. Donc, sur l'accès impots.gouv, n'oubliez pas de vous rendre sur l'espace bien immobilier et de déclarer l'occupation de l'ensemble des résidents. Alors, du côté des réductions et des crédits d'impôt, nouveauté aussi ? Oui, nouveauté aussi. Mais décidément. Oui, ça, c'est sympa, en fait. On a notamment pour les frais de garde, donc ça, c'est pour les mamans et les papas. Hein, Iman est concerné. Pas qu'elle. Les enfants de moins de 6 ans, je ne sais plus si la moins de 6 moins ans. Moins de 6 voilà. ans. Oui. Tout à fait. Donc, le crédit d'impôt a été revalorisé. Il faut savoir qu'on pouvait bénéficier d'un crédit d'impôt dans la limite de dépenses de 2300 euros. Par enfant, désormais, c'est remonté à 3500 euros. Ah, ben. Donc, on a un crédit d'impôt de 50% des 3500 euros. Donc, ça, c'est non négligeable. Pensez donc à déclarer cette partie-là et surtout, pensez à bien ventiler, à répartir entre les enfants. C'est-à-dire que
les frais de garde, ben, si vous avez deux enfants et que vous avez des frais de garde à hauteur de 7000 euros, ne mettez pas 5000 sur l'un, 2000 sur l'autre. Il vaut mieux mettre les 3500 répartis entre les deux pour bénéficier du crédit d'impôt de la moitié. C'est non négligeable. Comme on est à la télévision, les gens qui auront de la télévision sur notre chaîne qui n'est pas celle-ci, ils payent en général une taxe. Les... Ah ben oui, c'est la taxe contribution audiovisuelle. Et bien là aussi, toujours dans la démarche du pouvoir d'achat, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus cette petite encoche lorsque vous allez vous connecter. On n'a plus l'obligation de déclarer si effectivement on a un téléviseur ou pas. Il n'y aura pas de contribution supplémentaire ajoutée à la taxe d'habitation. Bien, alors, pour les enfants majeurs. Alors, pour les enfants majeurs, c'est toujours la question du rattachement. Donc, toujours bien se poser des questions parce que très souvent, les parents, ils s'attachent à ce que leurs enfants restent sur leur déclaration pour bénéficier de la demi-part supplémentaire que l'on connaît si bien, même lorsqu'ils sont déjà adultes et qu'ils travaillent à leur propre compte. Il faut vérifier toujours l'opportunité de déclarer un enfant majeur en rattaché plutôt que de lui le déclarer séparément et de préférer le versement de pension. D'accord. Il peut s'avérer parfois qu'il est plus intéressant de verser une pension à un enfant majeur, ce que fait très spontanément les parents, puisqu'ils subviennent aux besoins de leurs enfants en leur versant chaque mois 200, 300 euros. Ce montant-là, sur une année cumulée, peut être plus avantageux en pension versée qu'en rattachement d'enfant. Mais attention, si on déclare une pension versée à un enfant, il faut que cet enfant, en face, déclare la pension qu'il a reçue sur sa propre déclaration séparée. Donc, c'est vrai que là, on est le 6, ça peut être peut-être un peu tard s'il ne faisait pas la déclaration, mais il faut bien que les pensions se retrouvent chez l'un et chez l'autre, parce que là aussi, il y a de la traçabilité. Hein, l'administration fiscale va vérifier qui est le bénéficiaire de la pension qui a été reversée. Alors, la pension alimentaire qu'Imane reçoit, c'est quoi exactement? Alors, la pension alimentaire, ben, c'est qui la lui verse? C'est ses parents. Alors, ce serait plutôt la pension alimentaire aussi, éventuellement. Alors, on n'y pense pas souvent, mais on peut avoir des ascendants qui vivent sous le même toit. Tout à fait. Alors, il y a des crédits d'impôt pour les ascendants qui vivent sous le même toit. Et il y a aussi la possibilité de déduire l'argent qu'on va donner à nos parents pour les aider régulièrement. Oui, oui, tout à fait, dans une petite case. Là aussi, ça fonctionne aussi en vase communicant. Si on verse, ben, les parents reçoivent et ils doivent aussi le déclarer, en sachant qu'on peut aussi bénéficier d'une déduction forfaitaire pour la présence des parents à domicile. Alors, tous les jours, je fais Pointe-à-Pitre, Trois-Rivières, en frais professionnels. David, j'achète des bouquins. Je suis sûr que tu as déjà fait ta déclaration et que tu n'as pas oublié de déclarer les frais professionnels. Ah non, oui, non. Parce que ça c'est une vraie panacée, tout à fait. Mmh. Et très souvent, on peut parfois le zapper. Il faut mettre des factures, comment? Alors, il n'est pas nécessaire d'apporter les justificatifs lorsqu'on effectue la déclaration d'impôt. Par contre, il convient de les conserver en cas de contrôle. Voilà, sait-on jamais. Et donc, effectivement, tous les frais qui se rapportent à l'activité professionnelle de Danick, pas ses lunettes de vue, on va rappeler. Et les chemises. Pas les pantalons, mais les chemises. Mais en fait, tous les frais qui sont nécessaires à l'exercice professionnel, donc ça peut être des frais de formation payés à titre personnel. Il peut s'agir effectivement des indemnités kilométriques, effectivement l'aller-retour. Voyage de reportage. Mais attention, il faut pouvoir démontrer que ce voyage a été fait stricto sensu dans le cadre professionnel, quitte à conserver une quote-part à titre personnel. L'ensemble de ces frais cumulés peuvent être supérieurs à 10% des revenus fiscaux auxquels on est éligible. Et donc, ça peut constituer un abattement non négligeable. Est-ce que je pose la question, est-ce que l'achat d'un portable professionnel rentre dans les frais professionnels? À condition que tu démontres, oui, effectivement, que c'était vraiment voilà le portable professionnel que tu as acheté et qu'on t'a pas donné. Bon, ma foi, pourquoi pas? Bon, oui. Alors, attention, pas de double déduction. Si ce portable a été acheté par une société, il n'est pas déductible à titre personnel. Oui, il n'est pas personnalisé, il est privé. Tout à fait. Alors, globalement, et on termine là-dessus, l'ordre des les experts comptables, finalement, servent comme quelque chose, finalement. Ben, toujours, Danick, toujours, tu as toujours eu un doute. Non, j'ai pas de doute. j'ai pas de doute, mais enfin. Le numérique avance. Oui, le numérique avance, tout à fait. Et on a, alors, grâce aux nouvelles technologies, on a pu mettre en place l'opération
encore cette année Allo Impôt qui s'était tenu mardi dernier. Mmh. On a reçu quand même 274 appels. C'est quand la même preuve effectivement qu'on a, on a un besoin non négligeable au niveau de notre population d'être assisté notamment pour les déclarations. Oui. Et bah, effectivement, c'est le record qu'on a eu cette année comparativement à 2021 où on était à 248 appels. Population qui est sensible et en tout cas pour ceux qui ont raté l'opportunité, ben, n'hésitez pas à prendre la tâche éventuellement d'un expert comptable si vous êtes un peu en difficulté ou encore même, surtout, auprès des impôts qui sont vos principaux interlocuteurs. Nous sommes tous mobilisés pour vous aider dans cette tâche. Merci pour toutes ces bonnes nouvelles qui sont rarissimes à cette émission. Mais enfin, bon, aujourd'hui, c'était un petit peu mieux que les autres fois. Merci avec en tout cas, Émilie. Avec plaisir, Danick. Le site des impôts, c'est www.impots.gouv.fr. Voilà. Il est 13h17. On revient à l'actu rapidement avec Iman en attendant de recevoir Élie Chitadlou et Barbara Montpierre et Gilles Casimir qui sont déjà là. C'est parti. Le retour sur l'actu, on va parler de l'urbanisme et de la réaction du maire du Gosier concernant l'annulation du plan local d'urbanisme. On reçoit le reportage fait par Olivier Félix. Non, l'annulation du PLU n'entraînera pas de dégâts sur les projets de la ville et ils vont bien se réaliser. Par contre, c'est une très bonne nouvelle et j'aimerais le dire à tous les Gosériens, cette annulation nous permet de retourner en poste. Et le poste est plus intéressant que le PLU car on gagne 20% de zones constructibles. Donc, pour pouvoir vous aider à améliorer votre projet et surtout vous permettre le droit à la construction et à la propriété, nous vous invitons le 23 juin à 17h au Palais des Sports pour une grande réunion d'information pour tous ceux qui ont des problématiques de terrain. Je rappelle que ce sera sous entrée avec des documents et que toutes les personnes qui ont des problématiques de terrain à leur nom seront les bienvenues à cette réunion. Et donc voilà, retour sur l'actu, c'est dans pas longtemps on va revenir ensemble, déjà une coupure pub. Voilà, retour sur le plateau du ZCL, alors je salue tous nos invités. Élie Chitadlou, bonjour. Bien, bonjour. Salut aussi Gilles Casimir, bonjour. Bonjour, monsieur Tantonis, bonjour. Et je vais te commencer par les femmes, mais pour une fois, j'ai changé un petit peu l'ordre. Bonjour, Barbara. Et j'apprécie, Danick. L'innovation, c'est pas mal. Oui, de temps en temps, il faut changer l'ordre. Voilà, bonjour, Danick, et bonjour à tous. Bien, alors, avant de parler, de vous donner la parole, je voulais faire gagner deux invitations aujourd'hui pour une soirée qui aura lieu le 10 juin. Ça se fait à la Casar. Il suffit simplement, voilà, le parrain c'est M. Sadik à la Casar, il suffit simplement de téléphoner au 96-10, c'est le premier qui veut gagner Cabane. Hein. Les deux premiers appels, vous gagnez les tickets sont là, vous voyez, on ne triche pas, et on en parle dans un instant. Bon, alors maintenant, on s'adresse d'abord à Élie Chitadlou, puisque hier, le président de la FOUCAM était là, on parlait de ce rallye culturel trace indienne et amérindienne. Il s'est pas beaucoup il a pas beaucoup insisté dessus parce que il ne faut pas dire c'est un rallye quand même. Et, oui, c'est ça. Quand même, avant ça, je demande à Élie Chitadlou quand même comment se porte l'association Guadeloupéenne des Amis de l'Inde, parce qu'il en a pris la présidence depuis quelque temps. Eh bien, c'est une belle association qui a donc une longue vie passée. Oui. Elle a 52, 70, elle a 52 ans cette année et qui a encore donc de très belles années devant elle avec donc les orientations que nous avons validées avec la nouvelle présidence. L'idée c'est d'ouvrir l'association donc à la Guadeloupe, qu'elle soit totalement impliquée dans le développement de la Guadeloupe, donc particulièrement le développement culturel. Quoi. Oui. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle elle participe à ce rallye culturel. Eh bien, notre mot, l'un des mots d'ordre que nous avons, c'est d'emmener cette culture indienne à la totalité de la Guadeloupe, à toute la population, que on ne doit pas rester effectivement sur des considérations en disant « ouais, ça c'est bien qu'il y a des Indiens, etc. etc. » Si on veut que cette culture-là, qui est l'héritage donc laissé par nos ancêtres venus de l'Inde, si on veut effectivement qu'elle puisse perdurer, qu'elle continue son développement, eh bien, il faut emmener donc la population de la Guadeloupe à vivre cette culture-là. Et vivre la culture, c'est emmener des éléments précis aux gens. Par exemple, on a envisagé cette année donc, d'aller en Côte-sous-le-Vent, apprendre à des personnes de la Côte-sous-le-Vent, avec une association bien spécifique, donner le relais sur place, à cuisiner la cuisine traditionnelle indienne de Guadeloupe.
Voilà. Des éléments de ce type-là, c'est ne pas simplement se contenter de l'héritage, de la musique, etc., avec un petit groupe de personnes dites d'origine indienne, c'est ouvrir l'association totalement. Bon, je pose la question chaque fois que je reçois un Guadeloupéen d'origine indienne. Est-ce qu'il faut dire Indo-Guadeloupéen ou Guadeloupéen d'origine indienne ? Alors, pour les gens comprennent qui l'esprit. Alors, ça qu'il faut dire, effectivement, nous, c'est tous, nous les monde d'origine indienne, c'est yo seulement qu'a dit Guadeloupéen. D'abord, nous peut dire, le mot Guadeloupéen, c'est d'abord ça qui est important. On va dire d'abord qu'on est Guadeloupéen. Et c'est une erreur qui est faite par plein de gens, nous, Guadeloupéens. Mais nous, Guadeloupéens, en Guadeloupe, effectivement, peuple Guadeloupéen, effectivement, son peuple multiple, ni des origines différentes, l'Afrique, l'Europe, l'Inde, la Caraïbe, etc. Donc nous, nous, c'est des Guadeloupéens d'origine indienne. C'est alors, voilà, mais nous pas obligés de dire tout ça, bon, c'est Guadeloupéen, nous, Guadeloupéens. Oui, voilà. Terminé. Alors, on revient un petit peu au flyer, on va le remettre là, parce qu'il y a un petit descriptif à voir, puisque on le remet, voilà. Alors, on voit quelque chose de particulier. Alors, d'un côté des Amérindiens, je n'ai pas de problème. L'autre dessin, c'est quoi? Alors, c'est un récipient que nous utilisons, effectivement, pour faire, lors des cérémonies, cérémonies hindoues, qui consiste effectivement, à faire des offrandes dans le feu. D'accord. Donc, ça s'appelle, le rituel s'appelle un havan, ou bien un hum, comme on dit en Guadeloupe, du mot sanskrit oma, et donc le feu, on fait un feu avec des bois sacrés, du bois mango ou d'autres bois, et on fait des offrandes de fruits, de riz au lait, de choses comme ça. Donc c'est une image représentative parce que l'un des éléments forts de cette culture indienne en Guadeloupe reste malgré tout donc cette partie, je ne dirais pas religieuse, mais spirituelle, parce que c'est ce qui permet aux gens de survivre effectivement et qui ont permis donc de l'arrivée des premiers jusqu'à nous, de la troisième ou de la cinquième génération, à pouvoir résister malgré, quelles que soient les conditions. Donc c'est bien, je suis content que les organisateurs, effectivement, aient choisi cette image-là pour pouvoir représenter. Vous voyez bien, il ne s'agit pas d'une photo, d'une statue de représentant une divinité quelconque, mais bien un récipient. Voilà. Alors, l'autre question que je pose aussi, on sait, bon, ce sont de vieux souvenirs, mais enfin, il faut en parler, qu'il y a eu un racisme anti-indien. Au début de l'arrivée des premiers Indiens ici, jusqu'à assez récemment. Mais comment, Elie Tallou, on peut expliquer à la fois qu'il y avait ce racisme anti-indien et que le plan national guadeloupéen soit le Colombo? L'histoire est quelquefois compliquée. Moi, ce que je retiens, on ne va pas refaire effectivement ou remuer le couteau dans la plaie, comme on dit en permanence. Nous sommes un pays extraordinaire. Et quand je dis ça, j'ai des frissons dans le dos parce que la Guadeloupe est unique. Nous sommes l'un des rares pays, effectivement, à avoir eu deux abolitions de l'esclavage. Nous sommes effectivement, dans toute la Caraïbe, l'un des rares pays à avoir pratiquement autant d'Indiens originaires du sud de l'Inde que du nord de l'Inde. Ce qui fait des... voilà. Et nous sommes très certainement un cas unique. – L'un des rares archipels aussi, il y en a la petite Caraïbe. – Oui, c'est ça. Mais nous sommes certainement l'un des rares pays où nous avons une population d'origine diverse qui cohabite globalement sans difficulté et qui partage des choses. – Ce qu'on appelle le vivre ensemble. – C'est ça. Mais il faut le construire. Ça n'a pas toujours été facile. Oui. Moi, j'ai connu donc, le racisme quand j'étais au collège, pas avant, parce que quand on est gamin, on ne sait pas ce que c'est. Au collège, on commence à répéter ce que disent les adultes. Ce n'est pas le cas partout dans la Caraïbe. À Trinidad, en Jamaïque, ailleurs, Suriname, c'est à couteau tiré au Suriname. C'est vraiment des crimes qui sont perpétrés, etc. Donc, on peut dire qu'en Guadeloupe, on est plutôt bien et il faut que la population, que toute la population guadeloupéenne continue à œuvrer ensemble. Mais c'est pour ça également que notre association, donc l'Association culturelle guadeloupéenne des Amis de l'Inde, participe à plein de projets avec tout type d'associations. Il n'y a pas de sectarisme. Nous faisons, récemment, nous avons été présents dans la marche rappelant les événements de 1802. Nous avons monté une manifestation à l'attention des enfants, des scolaires, donc en avril dernier, à Duval-Petit-Canal, avec le CIPN et Kalina Guada, pour pouvoir, il y a eu 450 gamins des écoles, pour leur montrer la
nécessité effectivement de préserver le pays Guadeloupe, l'archipel guadeloupéen, avec ses mers, avec ses terres, avec sa population. Mais, tu n'as pas répondu vraiment à ma question. Laquelle ? Sur l'importance du plat national guadeloupéen d'origine indienne. Ah ben, je pense que, mine de rien, c'est une très belle avancée pour la culture guadeloupéenne d'origine indienne de voir qu'un de ces éléments culturel soit effectivement repris par toute la population. Et ça va continuer. Et dans les propos que je tiens en disant que nous devons emmener la culture à toute la population, mais c'est ce type de choses. C'est apprendre aux Guadeloupéens à cuisiner, apprendre effectivement donc la spiritualité. Parce que la spiritualité n'a pas de frontières, elle n'est pas indienne ou elle n'est pas effectivement, elle n'est pas limitée dans le temps ni à une zone géographique. Alors, juste quelques petits mots rapides sur le rallye. C'est un rallye de découverte. Oui, donc, on va pas donc... Pas Non, il n'y a pas de pas des fouchailles. Non, on va pas. C'est un rallye de découverte, comme tous les rallyes. L'idée, c'est de permettre effectivement aux Guadeloupéens, d'une façon générale, d'aller sur les traces effectivement culturelles hein, de tout ce qui a pu rester d'origine indienne et amérindienne dans le Nord Grand Terre. C'est vraiment un appel à la population, un appel à la découverte, un appel à ce qui fait de nous des Guadeloupéens à partager avec tout le monde. Voilà. Rendez-vous samedi 10, 7h30. Samedi 10 au centre culturel, au centre guadeloupéen de la culture indienne à Petit Canal. Voilà. Merci, Nicitalou. Merci. 13h36, c'est la pause ou on continue tout de suite? On continue. Alors, on va recevoir Barbara. Rebonjour, Barbara. Rebonjour, Daniel. Rebonjour, Gilles. Bonjour. Puis, son coach professionnel certifié, chronique à la rencontre de soi. Commence par toi, Barbara. Générique, c'est parti. Voilà, alors le bien-être au travail, Barbara, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, le bien-être au travail, parce que je dis ça pourquoi ? Parce que souvent, on dit, ah, nek pas aimé travail, nek feignant, etc., etc. Le bien-être au travail, description, comment tu perçois ça ? Comment tu dis alors, ça ? Alors, avant juste de répondre aux salutations, vraiment à tous, j'ai oublié ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Je dois bien le dire. Namaskar. Namaskar. Voilà. Donc, c'est pour faire un petit clin d'œil par rapport au sujet qui vient d'être abordé. Mm. Contente de vous retrouver. Est-ce que tu te sens bien, Danick ? Ça va. Ça va ? Oui, tu te sens va. Bien au jusqu'ici, travail ? Jusqu'ici, ça va. Impeccable. Oui. Et je crois que nous tous aussi, ici présents. Ce qu'on fait, ce qu'on aime, on est bien. Exactement. On est en d'accord. Général. C'est vrai que c'est un levier. Alors, on va développer tout ça aujourd'hui. Alors, par rapport à ce sujet, c'est vrai que je parle hein, beaucoup dans mes chroniques de bien-être, d'aller à la rencontre de soi, des aspects personnels. J'ai développé pas mal avec, et je remercie encore tous ceux qui étaient à mes côtés, la partie toxique, notamment des relations. On a parlé dans le cadre personnel, sentimental, familial. Et il est vrai que suite à différentes réactions et suite aux échanges que j'ai pu avoir avec Gilles ici présent, j'ai souhaité faire un focus sur le bien-être au travail. D'accord. Alors, en plus, il y a la journée du bien-être, la journée mondiale samedi, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que le bien-être, c'est vrai que on met beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, on va définir tout à l'heure ce qu'on va dire autour du bien-être. Mais pour être bien au travail, ça parle d'abord de soi, bien sûr. Mmh. Et il est vrai que quand on est attentif à soi, premièrement, eh bien, on peut beaucoup plus se dire, ben voilà, il y a tel dysfonctionnement au travail ou non. Mais voilà, déjà la phase préalable, c'est de savoir comment je me sens moi-même. Quand j'ai de la confiance, de l'estime de moi, quand aussi je suis attentif à moi, quand j'ai une ce que j'appelle le self-love, hein, j'arrête pas d'en parler, eh bien, je serai beaucoup plus attentive à ce qui se passe à l'intérieur de mon corps pour savoir, ben là, il y a quelque chose qui ne va pas ou il y a quelque chose qui va tout simplement. Voilà, donc, c'est ce que j'aimerais dire en préambule et d'où l'objet de cette chronique aujourd'hui pour aller plus loin sur le sujet avec Gilles. Rebonjour Gilles. Rebonjour tout le monde. Alors, on attend des explications. On a envie de comprendre. C'est le bien-être au travail. Le bien-être au travail, oui, c'est important. Le bien-être déjà tout court. Alors, on dit souvent que lorsque tu as des problèmes personnels, il faut laisser ça à la porte du travail. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment possible, puisque nous sommes la même personne chez nous et la même personne au travail. Donc, le bien-être au travail, c'est un grand sujet aujourd'hui, la qualité de vie au travail également. Alors, il y a des lois, bien sûr, qui gèrent tout ça. Il y a des responsabilités au niveau de l'employeur, mais il y a aussi tout ce que les collaborateurs, les employés peuvent mettre en place eux-mêmes. Voilà.
Et alors, pour cette question de bien-être, je vais, je sais que j'aime ça, hein, Dani, que j'aime bien prendre la partie définition. Parfait. Voilà, c'est important pour que tout le monde soit au même niveau, hein, au même niveau de connaissance et de compréhension. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton activité, Gilles? Ah, moi, ben, je suis, je suis coach professionnel certifié. J'interviens en entreprise et auprès des particuliers. Et puis, je suis également expert en train coaching. Donc, j'accompagne des managers, des dirigeants. Attends, c'est quoi le train coaching? Le train coaching, en fait, c'est un diplôme reconnu par l'État. C'est une évolution du coaching. C'est un mix entre le coaching et la formation. D'accord. On accompagne dans du coaching, mais si on voit un élément de blocage, un besoin de compétences, on passe en mode formation et ensuite on revient en coaching. Voilà, j'étais très synthétique, très direct. Pas de problème. Et du coup, pour venir maintenant sur la partie, enfin l'importance de ce que tu dis là, puisque l'un des leviers qui va être important en termes de performance, on va le développer, mais c'est de savoir suis-je compétent? Est-ce que je me sens compétent dans ma fonction? Est-ce que je suis bien? On parle de bien-être. Est-ce que j'ai toutes les capacités, toutes les facultés, toutes les compétences pour réaliser les différentes missions qui me seront confiées? Donc, d'où l'apport notamment du train coaching. Avec la partie coaching, on verra les différentes méthodes qui peuvent être mises en place pour l'accompagnement. Mais voilà, donc, pour du coup rebondir sur la définition, j'avais dit qu'on reviendrait ensemble sur ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Donc, on salue aussi l'ARACT, hein, qui fait une grande mission en Guadeloupe notamment, et puis au niveau national, l'ANACT sur cette question de QVT. Donc, la qualité de vie au travail se désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises. D'autant plus quand leurs organisations se transforment. Donc ça, c'est une définition de 2016, hein. Mm-hmm. Mais voilà, c'est pour qu'on puisse avoir le contexte. Et puis le bien-être, parce qu'on a parlé de bien-être, OK. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, le bien-être sur les lieux de travail consiste en un état d'esprit dynamique caractérisé par une harmonie satisfaisante entre les aptitudes, on en a parlé, hein, compétences, ce que je suis en mesure de faire, les besoins et les aspirations du travailleur, d'une part, et d'autre part, les contraintes et les possibilités du milieu de travail, d'autre part. Voilà, donc c'est vraiment considéré dans la globalité, à la fois les différentes aptitudes donc, du travailleur, hein, donc je sais qu'on développera après la partie entrepreneuriat, mais aussi toutes les conditions qu'il y aura pour qu'il puisse être bien, avec un esprit dynamique, en phase, aligné dans son travail. Donc voilà, déjà, c'est quelques éléments que je souhaitais apporter pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on appelle effectivement le bien-être au travail. Mais alors, je pose la question naïvement, c'est quelque chose qu'on développe soi-même ou qu'on le développe avec des coachs? Aha, je te laisse la primeur. Alors, de plus en plus, le coaching, oui. Alors, le coaching déjà a pris naissance dans le monde de l'entreprise et s'est développé ensuite dans le coaching de vie et autres. Donc, c'est une des réponses, oui, de plus en plus, et notamment en Guadeloupe. Alors, avant, lorsqu'on voulait apporter un soutien aux salariés, on leur proposait de la formation. Oui. Mais très souvent, les salariés savent faire leur travail. Donc là, on leur propose désormais plus du coaching, ce qui leur permet d'être dans un espace d'écoute, de compréhension. Ils peuvent mieux se lâcher, dire ce qu'ils ressentent et trouver des propres solutions par eux-mêmes. Donc, le coaching d'équipe, notamment, met l'accent sur la cohésion, sur la gestion des conflits, les conflits intergénérationnels, le management également, parce que le manager a un impact très important sur la santé des collaborateurs. Ça veut dire que le media training ou le bien-être au travail permet d'augmenter la productivité du travailleur, c'est l'objectif, ou bien c'est sur le bien-être personnel? En fait, un collaborateur, un salarié qui se sent bien, oui. Une équipe qui vit bien ensemble est une équipe beaucoup plus productive. Vous n'avez qu'à, je prends un exemple, vous rentrez dans un magasin, si vous voyez le personnel souriant, en train de rire, en train de s'envoyer des petites blagues, ben vous allez rester plus longtemps en fait. Et c'est pareil que ce soit dans le domaine commercial, dans l'administratif, le soutien social, l'entraide dans une équipe, c'est très important. Et pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi-même. Alors pour rebondir sur ce que tu dis, Gilles, effectivement, il y a la question qui va se poser, puisque j'ai eu pas mal de questions sur ça, donc notamment des personnes qui m'ont demandé, mais oui, mais comment savoir quand c'est plutôt moi qui ai le problème ou c'est mon manager? Oui. Voilà. Merci. Voilà, donc alors, pour faire un focus sur ça, on a dit, si je ne suis pas bien moi-même, avec moi, ce sera compliqué aussi d'être bien au travail, mais comme Gilles le disait, c'est vrai, donc pour appuyer, il y a aussi la partie aussi de l'accompagnant.
l'accompagnant, le manager. Donc, il suffit qu'il y ait justement un rapport qui sera dysfonctionnel entre le manager et son collaborateur. Le manager, lui, a des objectifs. Voilà, il a souvent une feuille de route. Il a, voilà, la baraque à faire tenir. Hein. La maison, elle doit tenir. Donc, il est vrai qu'il y a déjà une pression managériale. Ça va être la première chose. Là aussi, le coach peut intervenir. Et ensuite, dans la communication qu'il va avoir avec ses collaborateurs, eh bien, il sera lui-même n'étant pas bien, ou du moins ayant une pression, n'aura pas nécessairement, donc, et bravo à tous ceux qui arrivent à le faire, et ceux qui n'y arrivent pas, c'est OK, il y a des méthodes pour y parvenir, n'arrivera pas nécessairement à avoir une communication qui sera efficace et qui permettra justement aux collaborateurs de se sentir bien et de se sentir capable, valorisé, capable de faire ce qui est demandé. Donc, c'est vrai que l'une des choses qui va être aussi importante, c'est d'arriver à se dire, moi, je suis peut-être bien, je me sens peut-être bien avec moi-même. Par contre, il y a un problème de communication entre le manager et moi, comment faire? Là aussi, le coach peut intervenir. Ouais. Et l'autre question, c'est la question du trop travail, c'est-à-dire le burn-out. Exactement. Alors, comment on arrive à gérer ça dans une entreprise ou avec un travailleur ou un salarié? Déjà, est-ce que c'est clair pour tout le monde, le burn-out? Eh bien oui, comme d'habitude, comme ça on est au clair. Le burn-out, c'est quoi? C'est un syndrome d'épuisement professionnel caractérisé par une fatigue qui va être physique et psychique intense, générée par des sentiments d'impuissance et de désespoir. Alors pourquoi j'ai pris la définition? Le mot en fait, sous lequel je vais faire un focus, impuissance. Ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Si mon manager, en fait, en quelque part, est bien... Ce qu'il ressort, c'est que ce que je perçois de sa communication, bien, c'est que j'arrive pas, je sais pas faire, je ne peux pas faire. Donc, la personne qui est concernée se mettra dans une dynamique elle-même qui va générer tout l'aspect négatif, donc arriver au burn-out. Le burn-out, c'est quand on arrive déjà, on va pas dire au bout du bout, hein, parce qu'il y a toujours des solutions, mais va déjà être dans une situation où mentalement, physiquement, il sera épuisé. Donc, ça pourra même faire un blackout, certaines fois. D'accord? Donc, concernant le burn-out, la première chose qui serait importante, et je te laisserai poursuivre, Gilles, c'est d'arriver à identifier. Identifier. Être attentif. Donc, et souvent, les personnes qui sont dans le burn-out, il y a une grande phase de déni. Déni parce que je veux tellement bien faire, je veux montrer que je peux y arriver, je veux montrer à mon patron que je peux y arriver. Du coup, eh bien, je suis un peu dans le déni, je m'oublie moi-même. D'accord? Donc, la première phase qui va être importante en termes d'action, ça va être d'identifier. Qu'est-ce que tu en penses, Gilles? Oui, tout à fait. Alors, le burn-out, c'est vrai que c'est de l'épuisement. On pense que c'est quelqu'un qui a pété les plombs, mais en fait, le burn-out touche les personnes les plus investies, les personnes qui travaillent le plus. Et le paradoxe, c'est que plus elles en ont et plus elles en demandent, elles ont besoin de reconnaissance. Et ça peut aller jusqu'à ce que l'élastique casse, et ce n'est pas évident. Il y a aussi le bore-out. Alors, c'est l'inverse. Il y a des personnes qui s'ennuient au travail, qui sont hautement qualifiés, qui s'ennuient. C'est quelque chose que je rencontre dans la fonction publique. Parce que quelquefois, manque de sens, manque de motivation. Et c'est vrai que là, il faut relancer la machine. Donc l'être humain, c'est pas évident. Oui. Voilà. Et que pour le burn-out, de toute façon, le coach intervient aussi. Comment il intervient à ce niveau-là? Ben, en fait, il n'y a pas de recette miracle, puisque chaque situation est particulière. Mais c'est vrai qu'il y a des points communs. L'écoute, beaucoup d'écoute. Permettre à la personne de verbaliser, lever les non-dits aussi dans les équipes, notamment entre les managers et les collaborateurs, puisque très souvent, on a blessé quelqu'un, on ne s'en rend même pas compte en fait. Il y a beaucoup de non-dits et il faut lever ça, donc il existe des exercices de coaching d'équipe, il y a des accompagnements individuels, et c'est pour ça que de nombreuses entreprises vont vers ça, parce qu'il y a des résultats concrets. Hein. Ouais. Et pour compléter avec l'écoute, eh bien, accompagner aussi le coach peut accompagner au lâcher-prise. Pourquoi le lâcher-prise? Je parlais tout à l'heure de la pression et ce qui est normal. Voilà, c'est OK d'avoir justement une pression. Bon, alors, on va transformer le mot pression en challenge. Ouais. Voilà, donc à partir du moment où il y a du challenge et que ça reste vraiment dans une communication qui va être bienveillante, non violente et positive, ça passe. Quand la personne elle-même qui communique avec, donc on parle du manager, hein, ou même entre collaborateurs, hein, à partir du moment où je vis mal la pression, j'aurai du mal à m'exprimer sans pression et sans faire vivre la pression à l'autre.
Donc, ce qui va être possible aussi en termes d'accompagnement, c'est d'accompagner au lâcher prise avec différentes techniques. Donc, ça va être d'arriver à mieux comprendre, mieux accueillir et mieux vivre ses émotions. Je ne parle pas de gérer parce que ça me semble ambitieux. Les hommes sont en constante évolution, changement. On a des cycles de vie, donc on va plutôt dire mieux vivre, mieux comprendre et vivre ses émotions. Il y a plusieurs autres leviers, hein. La respiration, la sophrologie, donc pour tous les professionnels et autres méthodes où on va accompagner la personne à faire redescendre toute la pression, donc la charge mentale qui va être associée à la charge émotionnelle, toute cette partie qui va être importante, et puis travailler aussi la communication pour qu'elle soit plus efficace. Voilà, donc il y a différentes méthodes autour de cela qui existent et qui seront adaptées aussi en fonction de la situation, de l'entreprise et des besoins. L'autre question, c'est la question du stress au travail. Ouais. Alors, quelqu'un arrive stressé, pourquoi ? C'est la peur ou qu'est-ce qui crée ce stress ? Alors, déjà, le stress, c'est une réaction qui est totalement naturelle. Oui. C'est une réaction qui est normale. C'est-à-dire que si vous êtes confronté à des échéances ou à une augmentation du travail et que vous ne stressez pas, vous avez un problème, il faut consulter. Le stress est totalement normal, il est naturel. Là où il devient nocif, c'est quand il est chronique, c'est-à-dire qu'il dure dans le temps. Oui. Et c'est là où il est très, ce que Barbara dit est très important, le lâcher prise. Il est important de rappeler à tous ceux qui nous écoutent que votre travail, ce n'est pas votre vie. On s'identifie beaucoup à notre activité professionnelle. La première chose qu'on se dit quand on se rencontre, c'est « toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Mais ce n'est pas la vie de la personne, son travail. Donc, il faut savoir effectivement lâcher prise. Il faut mettre des stratégies en place pour relâcher la pression. Mais encore une fois, le stress, il est positif. Il faut savoir gérer le stress positif. Et le stress, c'est un levier vers la performance. C'est quand il est trop poussé où là, vraiment, y a le contre-coup. Et c'est tout l'exercice de l'équipe et du manager pour rester dans la productivité. Alors, une dernière question à vous deux, puisqu'on va terminer. Comment les coachs peuvent-ils intervenir pour rendre le travail, pour créer le bien-être au travail? Je ne dis pas pour éviter les grèves. Mais si, ça, dans le conflit. Gestion des conflits, oui, voilà. C'est utile. Hein? Voilà. Voilà. Mais tu veux, je te laisse aller dessus, si tu veux. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il y a différentes stratégies, il y a énormément de stratégies, autant de stratégies qu'il y a d'équipes. Nous conseillons aux directions et aux chefs d'entreprise d'inviter les coachs et d'échanger déjà avec eux, puisqu'en fait, la solution du coach va être adaptée à la situation. Donc, un premier échange ne coûte rien. Et au moins, par rapport à ce que va comprendre le coach, et puis quelquefois, il vient simplement et il observe. Il est dans l'entreprise, il est assis, il observe, il ne dit rien. Et un coach formé, il voit tout de suite, ça se voit très vite, d'où viennent les tensions, d'où viennent les problèmes. Et très souvent, l'équipe est à l'image du manager. L'armée est à l'image du commandement. Oui. Donc, c'est toujours la faute des salariés, mais quelque part, ce qu'on reproche aux salariés, c'est quelque chose qu'on exprime soi-même. Donc, il faut une remise en question globale. Voilà. Bien. Remercier. Juste pour rapport à la remise en question, ce qui va être intéressant pour accompagner toutes les entreprises à mieux comprendre, à continuer à comprendre, c'est que le coach va intervenir en tant que relais neutre. Et de toutes les manières, on n'a qu'à le voir dans les situations de vie, quand on a un problème avec un tel ou un tel, on va parler à une personne. Oui. Là, on a d'autant plus à faire un professionnel qui, lui, aura l'expertise et cette prise de hauteur, j'aime pas forcément dire recul, mais ce côté neutre, voilà, sans prendre parti, où il va pouvoir prendre la pleine mesure de ce qui se passe, des interactions, donc verbales, paraverbales, en fait, toute la dimension comportementale et orale, pour justement arriver à mieux accompagner le manager et puis toute l'équipe. Voilà. Merci Gilles, merci Barbara. Merci pour l'invitation. On revient avec Imane pour un dernier retour sur l'actu. Retour sur l'actu, nous avons parlé de la réaction du maire du Gosier suite à l'annulation du plan local d'urbanisme. Nous avons aussi parlé de cette association qui accueille ces personnes en transfert sanitaire. Nous parlerons sûrement plus tard de l'ADI et de la journée porte ouverte qui est organisée du 7 au 9 juin. On regarde ça, on reportage Michel Le Pape. On sait qu'effectivement, un entrepreneur ou un porteur de projet qui est accompagné a beaucoup plus de chances de pérenniser son activité. Et à l'ADI, on essaie vraiment de prêter attention aux besoins que rencontrent les créateurs d'entreprises. Et donc, tout l'intérêt de cette formation, c'est de pouvoir donner ou en tout cas s'assurer qu'un certain nombre de notions ou d'outils sont maîtrisés avant de passer à l'étape création d'entreprise et au financement. Aujourd'hui, nous sommes à l'ADI
pour une formation sur 3 jours pour tout ce qui est création d'entreprise. J'ai décidé de participer à cette formation. J'ai un projet pour une création d'entreprise en service à la personne pour le nettoyage. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis bien dans ce domaine. J'aime faire le nettoyage et tout ce qui est, voilà, aider. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans ce domaine de création d'entreprise, nettoyage et service à la personne. J'ai décidé d'y participer parce que ça nous permet d'avoir plus de connaissances, parce que créer une entreprise, c'est pas simple. On n'est pas forcément au courant de tout. Donc, grâce à la DIB, on pourra mieux être dirigé et accompagné. L'accent est vraiment mis pour cette campagne sur les jeunes et l'entrepreneuriat. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre. Il y a plus de 7 jeunes sur 10 qui désirent entreprendre. Par contre, toutefois, selon l'INSEE, il y a à peine 14% des entrepreneurs qui ont moins de 30 ans. Donc, on est vraiment là pour militer, pour donner l'impulsion aux jeunes et bloquer le frein financier et les autres freins d'ailleurs pour leur permettre d'entreprendre et de se lancer. Vous pourrez nous retrouver dès demain donc, dans les différents quartiers de Capesterre-Belleau. On sera également présent à la Maison de l'insertion et de la cohésion sociale de Petit-Bourg toute la matinée. Nous serons également jeudi à la salle polyvalente du Lamentin en partenariat avec la ville de Lamentin et la mission locale pour une action axée sur les jeunes et l'entrepreneuriat. Voilà, vous pouvez nous retrouver également vendredi avec notamment l'agence de Basse-Terre qui a ses portes ouvertes. Vous pouvez venir nous rencontrer directement. Voilà, retour sur l'actualité. Un dernier point, c'est sous le SMA, bien sûr, c'est ça? Oui, contrats qui sont signés. On va voir le reportage ensuite de Michel Depape. Ouais, alors, ça fait à peu près un an qu'on a vraiment un engouement des jeunes Guadeloupéens à s'engager. Ils sont de plus en plus. On est passé en 2021 à 160 contrats signés. 2022, 250 contrats signés. Donc beaucoup plus. Et cette année, on aura encore plus de contrats signés, probablement 300 dans l'armée de terre. J'ai signé ce document aujourd'hui parce que, après avoir fait un an au RSMA, j'ai le courage maintenant de signer un contrat à l'armée de terre. On a des filières de préparation spécifiques. Et même dans n'importe quelle filière, un jeune qui est dans une filière de formation chez nous, on va l'aider à préparer les tests médicaux, les tests physiques, les tests psychotechniques, voilà, dans son parcours de formation dans les armées. Et ce qui est intéressant, et c'est un message qu'on peut faire passer, des jeunes qui se posent la question, venir au RSMA, ça permet de découvrir la vie militaire pour confirmer ou infirmer leur choix de vouloir s'engager dans les armées. Oui, ça m'a toujours attiré, mais je ne savais pas si j'aurais vraiment le courage. Donc, je suis donc passé au SMA avant. Donc aujourd'hui, on a 35 jeunes qui sont venus signer un contrat. 35 jeunes dont la moitié sont passés par les rangs du RSMA. Donc ils ont été formés au RSMA, puis ont signé un contrat d'engagement. Ils sont partis dans les quatre coins de la France métropolitaine, dans plusieurs spécialités, dans la restauration. On a recruté des mécaniciens, des informaticiens, des combattants évidemment, de la logistique, donc des transporteurs, des combattants de l'artillerie, des combattants de l'infanterie, des parachutistes. Je pars au 126e régiment d'infanterie à Brive-la-Gaillarde. Voilà, il est pratiquement 14h, mais Imane va nous rappeler une dernière fois toute l'actualité avant qu'on se quitte. Donc aujourd'hui, nous avons vu la réaction du maire du Gosier concernant l'annulation du plan local d'urbanisme. Nous avons aussi participé à l'ADI aux portes ouvertes qui se sont réalisées. Nous venons parler de RSMA en lien avec les contrats pour les jeunes. Et nous avons commencé par l'association qui s'occupe du transfert sanitaire et de pouvoir accueillir ces personnes qui sont... sur Paris, en région parisienne, pour pouvoir les accompagner au mieux. Voilà, il est exactement 14h. Je rappelle qu'on a reçu en début du ZCL
Babette de Rosière pour son ouvrage « La face cachée de la politique en Ile-de-France ». Et je dis à tous mes amis journalistes, y compris à Jean-Claude Kagadé actuellement, de lire livre-là, ça quoi pendant l'obitain. On a reçu aussi Mline Ademar, à Messie des entreprises, sur la question des impôts. Bien sûr, il reste deux jours, pratiquement, pour faire votre déclaration. Ensuite, on a reçu Elie Chitalou, le président de l'association culturelle guadeloupéenne des Amis de l'Aisne, pour le rallye qui commence samedi, 7h30. Barbara Montpierre et Gilles Casimir, Kounik à la rencontre de soi, coach professionnel certifié, qui nous a expliqué comment avoir du bien-être au travail. Ça existe. Imane, c'est l'exemple type. Elle a du bien-être en présentant tous les jours, on fait un gros plan sur elle, les titres du journal. Voilà. Et elle sourit en nous quittant. Et on ne se retrouve pas demain, parce que demain, on est en direct du Conseil général. Vous savez, c'est la grande messe des élus sur changement institutionnel éventuel ou sur l'évolution statutaire. On saura ça demain soir, puisque à partir de 8h30, vous serez en direct de Canal 10 et du Conseil général. Et vous verrez tous les élus et toutes les défilés. C'est une grande messe, pas besoin de venir l'hostie, hein, mais c'est une grande messe quand même. Et donc, soyez donc à l'écoute à partir de 8h30. Ça va se terminer probablement vers 20h. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi, vendredi, comme toujours dans le ZCL, avec Imane. Tu seras là, Imane, jeudi. Et vendredi aussi. Et elle nous fera un petit topo sur les informations culturelles de fin de semaine. Un petit agenda. Merci, Imane. Envers et contre tout. Et la réalisation, c'était Yann avec sa co-réalisatrice maintenant. Elle s'appelle. Elle s'appelle comment? J'oublie. Ah non, Anjoana. Voilà, demain. À vendredi, jeudi.